Est-ce que l'historien peut apporter quelque chose, peut-être pas à la définition, mais peut-être à la construction de la fraternité? Oui, je pense que l'historien a son mot à dire dans ce débat, étant donné que l'on peut dater d'une manière assez précise, n'est-ce pas, l'apparition dans notre vocabulaire politique et social du mot fraternité. Et donc, si vous voulez, nous apporterions aujourd'hui la dimension historique et dans une certaine mesure la dimension sociale, puisqu'après tout, tout ce qui est historique est aussi social, à l'élaboration de la notion de fraternité. Je pense qu'il faudrait se reporter au XVIIIe siècle, et très précisément, inutile pour cela de rappeler la devise de la Première République de 92-93, se reporter à la Révolution française. N'est-ce pas, le XVIIIe siècle a vu, comment dirais-je, un renouvellement des valeurs, non seulement des valeurs politiques et sociales, mais aussi un renouvellement des valeurs de la sensibilité et du cœur. N'oublions pas que c'est le XVIIIe siècle qui a inventé la bienfaisance, c'est le XVIIIe siècle qui a inventé la philanthropie, et je dirais que c'est le XVIIIe siècle, et très précisément la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française qui a inventé la fraternité. Et je crois que la fraternité se situe justement dans cette recherche pour l'élaboration de nouveaux rapports sociaux entre les hommes, des rapports qui seraient fondés non seulement sur les problèmes de relations de classe, de relations d'intérêt, mais aussi sur les problèmes de la sensibilité et du cœur. Et en ce sens, la notion de fraternité qui s'affirme à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française est tout à fait dans la ligne de ce siècle, n'est-ce pas, qui, dès le début des années 20, avec l'abbé de Saint-Pierre, par exemple, avait inventé cette notion de philanthropie. Et ce même siècle d'ailleurs qui, à l'époque de la Révolution française, a élaboré, n'est-ce pas, au printemps 1794, ce qu'on appelle la loi de bienfaisance nationale. La loi de bienfaisance nationale, c'est dans une certaine mesure la réalisation concrète, n'est-ce pas, de ce devoir de fraternité entre les hommes. Car si l'on se reporte, n'est-ce pas, à la fameuse devise, liberté, égalité, fraternité, et si l'on se reporte au cours de la Révolution française, dans sa première phase, la Révolution française affirme l'exigence de liberté, et elle affirme aussi l'exigence d'égalité, dès 1789, étant bien entendu que les divers partis politiques, et plus encore les diverses catégories sociales, ne mettent pas derrière ces mots le même contenu, n'est-ce pas ? Les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois, comme disent les linguistes actuels. Et ce n'est que dans son stade, dans son paroxysme, c'est-à-dire ce n'est qu'en 92-93 qu'apparaît le troisième terme de la devise, c'est-à-dire la fraternité. Et je dirais volontiers que la liberté et l'égalité, que ce soit au sens de 1789 ou au sens de 1793, c'est-à-dire avec des contenus différents malgré tout, liberté censitaire, si je puis dire, en 89, liberté démocratique, en 1793, égalité formelle en 1789, tentative d'une égalité qui irait au-delà, n'est-ce pas, d'une affirmation formelle en 1793. Mais que ce soit en 93 ou en 89, liberté et égalité sont des principes. Des principes avec, si vous voulez, des stipulations législatives ou constitutionnelles pour s'efforcer de faire entrer ces principes dans la loi et donc dans la société, dans la vie sociale et dans l'existence quotidienne même. Mais la fraternité n'est pas un principe, la fraternité est un devoir. La fraternité est un devoir que chaque citoyen doit à son concitoyen. En ce sens d'ailleurs, si le mot s'inscrit très précisément dans la devise républicaine, donc à partir de fin 92-1793, on peut dire malgré tout que la notion s'est affirmée dès 1789, en ce sens où il y a eu dès 1789 justement un effort, vous m'excuserez de rester toujours sur ce plan historique, mais je pense que cela peut éclairer notre débat, il y a eu dès 1789 un très grand effort, n'est-ce pas, pour supprimer dans la société tous ceux qui pouvaient séparer l'homme de l'homme, et donc réaliser ces liens fraternels entre tous les citoyens. Si vous voulez, la fraternité s'est conçue dès 1789 par l'abolition des ordres, par l'abolition des États, au sens de tiers état, au sens de quatrième état, par l'affirmation que tous les individus sont égaux.
au regard de la loi, au regard de la nature. Ensuite, n'est-ce pas, il y a eu une tentative de, comment dirais-je, d'élargissement de... Si vous voulez, la fraternité s'affirme d'abord sur un plan national, entre tous les citoyens français. Et ensuite, n'est-ce pas, dans la mesure où la Révolution française a une très grande force d'expansion, cette fraternité, si je puis dire, est offerte à tous les peuples, y compris les hommes de couleur, n'est-ce pas. Je revois ce très beau tableau, ces belles estampes, n'est-ce pas, mais qui datent, qui sont un peu plus tardives. Car après tout, de ce point de vue, il faut bien dire qu'en 1789, la fraternité est limitée en ce sens, comme est limitée la liberté et l'égalité, en ce sens que l'esclavage, par exemple, est maintenu aux colonies, et que l'Assemblée constituante refuse d'accorder aux hommes de couleur, même libres, n'est-ce pas, les droits égaux à l'homme blanc. Donc c'est une limitation très certaine, de, non seulement des principes de liberté et d'égalité, mais aussi du devoir de fraternité. Et ce n'est qu'en 93, je reviens à cette estampe que j'évoquais, n'est-ce pas, où l'on voit justement se, comment dirait, se concrétiser ce rêve de fraternité entre les hommes, quelle que soit leur couleur. C'est en pluviose en deux, c'est-à-dire en février 1794, l'abolition de l'esclavage. Et si je puis dire, comment dirais-je, la réintégration de l'homme noir et du ci-devant esclave, non seulement dans la cité libre où tous les hommes sont égaux, mais aussi dans une cité qui se veut fraternelle. Oui, mais si on considère l'égalité plus spécialement, un juriste peut proposer des moyens techniques d'établir l'égalité. Un économiste peut saisir, je ne dirais pas tous les rapports, et bien entendu un grand nombre de rapports sociaux, un grand nombre de rapports économiques échappent encore à l'analyse, mais il y a un certain nombre de rapports tout de même que nous sommes en mesure de saisir, de telle manière que nous savons d'où vient la pression, sur qui elle s'exerce. Nous pouvons, dans des cas limités, cerner l'égalité. L'inégalité, plus exactement. Donc on peut admettre que, techniquement, une solution juridique soit trouvable. Nous pouvons admettre que dans tel ou tel cas privilégié, et je maintiens qu'il s'agit de cas assez limités, parce que nous savons assez peu de choses encore sur les rapports sociaux fondamentaux et sur les rapports économiques fondamentaux. Nous savons beaucoup moins que la plupart des gens pensent que nous ne savons. Alors, dans les cas où nous savons vraiment quelque chose, où nous pouvons cerner l'inégalité, nous pouvons envisager des solutions d'ordre de la technique juridique qui permettent de lutter contre l'inégalité et, dans une certaine mesure, d'établir ou de rétablir une égalité qui n'existait pas ou qui était compromise. Là, on voit comment s'y prendre. On peut admettre qu'une mathématique subtile et à naître puisse aussi, dans le cas des libertés, délimiter l'espèce d'aura de liberté que chacun de nous souhaite, aussi grande que possible, dans la mesure où elle ne gênera pas l'aura de liberté qui entoure le voisin. Autrement dit, dans le cas de la liberté, dans le cas de l'égalité, le juriste, l'économiste, l'homme d'État peuvent agir. Mais dans le cas de la fraternité, on ne voit pas quelle solution juridique on pourrait apporter. Et pourtant, je reconnais que dans le courant de cette émission, j'ai déjà parlé de moyens techniques d'insertion de la fraternité dans la pratique sociale. Car nous voyons que dans deux cas, liberté, égalité, la technique va nous aider. Nous comprenons très bien que pour la fraternité, il n'en est pas de même. Et cependant, nous voulons insérer la fraternité dans la pratique. Si nous voulons insérer la fraternité dans la pratique, il faut bien que nous trouvions des procédures. Il ne suffit pas de prononcer des grands mots. Il ne suffit pas de dire l'amour d'autrui. Ce sont des mots, et là encore, des mots dépourvus de sens, des mots qui n'ont qu'un emploi, vous l'avez dit tout à l'heure, en reprenant l'expression des linguistes. Alors, comment faire devant ce paradoxe fondamental? Oui, je vous entends bien, n'est-ce pas? C'est en ce sens que je disais tout à l'heure que la fraternité n'est pas un principe que l'on puisse s'efforcer de faire entrer dans la législation et donc dans la pratique politique et sociale. La fraternité est un devoir. Est un devoir, enfin, et c'est un sentiment qui part du cœur, qui part de la sensibilité, et il est évidemment extrêmement difficile de légiférer en la matière, si ce n'est peut-être... Article 1, aimez-vous, ça n'a pas de sens. Oui, mais j'entends bien. Mais si ce n'est peut-être d'une manière négative, on ne peut pas dire aux gens, article 1, aimez-vous les uns les autres. Enfin, on ne peut pas...
sans prendre une loi en ce sens, mais on peut malgré tout, je pense au problème du racisme par exemple, édicter des lois, donc c'est, si vous voulez, ce serait l'aspect négatif, c'est un aspect négatif, qui interdise des actes qui soient contraires à la fraternité. Et je pense que malgré tout, il y a certains plans sur lesquels le législateur, l'homme politique, peut intervenir en ce sens. Au moment de la Révolution, en 1994, comment le législateur avait-il procédé ? Eh bien, vous savez, évidemment, tout ceci peut paraître étrangement contradictoire et même dramatiquement contradictoire, étant donné que c'est en l'an 2, en 1793-94, c'est-à-dire à l'époque où vraiment, n'est-ce pas, la fraternité est inscrite au fronton de tous nos monuments, cette époque est en même temps l'époque de la terreur. C'est-à-dire l'époque où l'on s'efforce de retrancher du corps social tous les gens qui n'acceptent pas ces nouveaux principes de liberté et d'égalité et ce nouveau devoir de fraternité. Comment si vous voulez, la fraternité s'affirme alors dans les rapports individuels, dans les rapports sociaux, dans les rapports quotidiens, à condition bien évidemment qu'il y ait consensus politique et social. Si vous voulez, il y a fraternité entre les patriotes, il n'y a évidemment pas fraternité entre le patriote et l'aristocrate. Et ce qui limite étrangement, n'est-ce pas, l'application du concept de fraternité. Et je dirais que, n'est-ce pas, que la fraternité s'affirme à ce moment-là sur un plan des rapports individuels, mais qu'il y a en même temps un certain effort du législateur, non pas pour inscrire, si vous voulez, la fraternité dans la loi, ce qui me semble étrangement difficile, comme vous l'avez dit, mais plutôt pour créer un certain nombre d'institutions qui soient l'expression de la fraternité. Je pense donc à cette loi de bienfaisance nationale qui est de Floréal en deux, c'est-à-dire du printemps 1794. Et, qui stipulait que c'est une sorte de sécurité sociale avant la lettre. Et donc toute une série de secours au nom justement de la fraternité et de la solidarité aussi, si vous voulez, entre patriotes, qui prévoit toute une série de secours en faveur des indigents, en faveur des vieillards, en faveur des femmes, des veuves ou des orphelines, des soldats morts pour la patrie, etc. Enfin, une sorte de, si vous voulez, avant la lettre, bien évidemment, et toute proportion gardée, de sécurité sociale, de sécurité sociale, comme nous dirions aujourd'hui. Mais, comment dirais-je, dont le contenu, si vous voulez, se veut fraternel. Si vous voulez, la bienfaisance, la pratique de la bienfaisance sociale n'est que l'expression juridique, en quelque sorte, de ce devoir de fraternité qui est inscrit dans la devise républicaine. Je pense aussi, si vous voulez, à d'autres tentatives, comme les grandes fêtes nationales, la fête commémorative du renversement du trône au 10 août 1793, donc, qui est une fête d'unanimité nationale, mais en même temps, comment dirais-je, de fraternité sociale, toutes catégories sociales confondues. Grande fête nationale encore, la fête de l'être suprême en Prairie à l'an 2, c'est-à-dire au mois de juin 1794, qui s'efforce, évidemment sur une base différente, ce n'est plus le culte de la République fondé en 92, c'est le culte de l'être suprême, c'est-à-dire la croyance en Dieu, en l'immortalité de l'âme, mais autour de ces principes métaphysiques très simples et accessibles à tous, n'est-ce pas, un très grand effort pour effacer entre tous les Français ce qui peut les diviser, ce qui peut les séparer, et donc pour affirmer entre les individus, entre les citoyens, ces rapports fraternels qui seraient, comment dirais-je, l'essence même de l'esprit républicain. Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État. Article 35. Celui qui opprime une seule nation se déclare ennemi de toutes. Article 36. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles. Article 37. Les rois, les aristocrates, les tyrans quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers qui est la nature. Article 38. Robespierre, 24 avril 1793.